Et salut à tout le monde, on se retrouve pour ce 18e épisode de Mafia 3 sur la chaîne. On reprend ce jeu, les gars. Alors ici, on va pas tourner, on va pas faire Naoué, bazar. On va juste venir ici, puisque la mission elle est à côté, autant venir la faire. Hein. Salut poteau! Viens par là. Ok, qui es-tu, Tu mec? m'attendais, je crois. En effet, Pablo Duarte. T'es de la société? Pas tout à fait. C'est un problème? Si tu peux éviter que ces connards de communistes à Cuba ne se remplissent les poches, alors non. T'es dans le conseil révolutionnaire cubain. J'ai quitté le navire en 61. Et j'ai fini ici. Mais j'ai encore des contacts. C'est comme ça que je suis tombé sur le trafic de contrebande de Frank Pagani. Bob Solange gère la gare de marchandises pour lui. Il traite pas mal avec la Havane. Ok. Tous ces discours de coco sur la propriété commune, c'est des conneries, ça m'écœure. Ce connard ne pense qu'à l'argent. Depuis qu'il a perdu River Row, Marcano a fait piller les entrepôts. Putain, il se fait même parachuter des trucs en mer. Je sais pas où ça atterrit, mais... Un des mecs de la radio qui bosse... Putain, le doublage, les gars! Dégueulasse! J'en doute pas. Je serai pas long, Pablo. La bouche du mec, elle bouge encore pendant qu'il parle plus, en fait. Ça c'est dommage, hein. Ça, c'est dommage, hein. Putain. Enfin, je sais que j'avais déjà remarqué ça sûrement avant, mais là, je l'ai vu vraiment flagrant. Flagrant délit. Ok, les gars, donc on reprend nos marques petit à petit dans ce bordel. Allez, on a activé la mission, maintenant on va refaire ici. Attends. Il y a pas mal de missions. Donc les missions principales, Tickfoo Harbor. Il restait, ouais, pas là, cette là on vient de l'activer. Retrouver Donovan. Très bien. Donc là on peut faire, je pense qu'on va faire plutôt retrouver Donovan parce que le truc Pablo Duarte, ça m'a l'air. Ouh, Donovan, il est loin. Il est loin. Est-ce que celui-là ne serait pas plus près? Ouais, dans tous les cas, les gars, je pense que je vais vous couper les séances où... Allez, là, quoique, je pense que c'est assez, c'est pas si loin que ça. Mais quand il y aura des longues distances à parcourir, je pense que je vous couperai parce que ça, c'est vrai que ça reste chiant, quoi. Il semblerait qu'il y ait eu une altercation. Ok, donc les gars, le jeu là, on va avancer. Là, on va avancer dans les missions principales. Les missions secondaires, peut-être que je vous ferai des épisodes après qu'on aura fini le mode histoire en faisant les missions secondaires, même si je pense qu'il y en a plein qui seront plus disponibles, à mon avis. Ce qu'on fera aussi, c'est peut-être si je suis vraiment chaud, c'est d'essayer de faire des missions où on chope les trucs, les petits magazines Playboy et tout. Mais peut-être que je ferai ça de mon côté en vrai. Parce que moi j'aime bien le jeu et j'ai vraiment envie de faire ce jeu. Avant que je vous fasse ce genre de let's play, j'avais déjà fini. Et j'étais vraiment à fond dedans. J'avais fait toutes les missions principales, j'avais fait toutes les missions secondaires. J'étais en train d'occuper de récolter tous les magazines, tous les trucs qu'il faut récolter. Voilà, j'étais vraiment à fond dedans. J'attendais le DLC qui sort. Parce que le jeu, je l'ai acheté. J'ai acheté le jeu à 140 balles. J'ai acheté le gros pack. Le plus gros pack qu'il y avait, en fait, je l'ai commandé. Donc j'avais déjà tout, j'avais tout le season pass avec tous les DLC prévus. J'avais fait les DLC, enfin j'avais tout fait. Et c'était vraiment stylé. Ok les gars, on y est presque. Hein. Je sais pas c'est quoi cette mission avec Donovan. Mais normalement c'est des missions qui sont assez stylées. Donc on va... Putain cette radio, ce mec qui parle, qui raconte de la merde. Merci. Hein. Non mais merci. Hein. Ok, on a une vieille voiture, je sais qu'on peut appeler les voitures qu'on a. Mais voilà, j'avais pas spécialement pensé à ça, j'avais pas envie de perdre de temps à faire ça. Ok, putain, sur le trottoir, c'est bien Lucas, c'est bien, c'est bien. Ok, on va l'attendre sur le banc, comme d'hab. Comme d'habitude. Parfait. Allez, qu'est-ce qu'il va nous raconter maintenant? Dommage que les personnages dans les jeux vidéo ne changent jamais de vêtements, tu vois, c'est vraiment dommage. La ville est dirigée par Tony DeRazio. D'après les infos que j'ai pu rassembler, c'est un putain de sacré numéro. Une espèce d'expert des comptes et des chiffres. Ah ouais, c'est le comptable, expert comptable. Le comptable de Lou Marcano. Comptabilité, blanchiment d'argent. C'est même lui qui gère les relations de Lou avec les fonctionnaires. C'est son boulot de s'assurer qu'ils aient toujours la patte graissée. Comment je le trouve?
c'est là que les choses se corsent. Il vit dans la suite au dernier étage du Royal Hotel. Ça devient un bordel cet hôtel, les gars. Le reste de l'hôtel est infesté d'hommes de Tony. Bon, il ne peut pas passer sa vie là-haut. J'ai besoin de connaître toutes ces allées et venues. Ça fait un mois que je surveille cet enfoiré, et je l'ai vu sortir qu'une seule fois. Un jour où un de ses hommes avait fait une connerie. Il lui a éclaté le bras gauche à la baramine. Il a une société fictive pour verser des pots de vin et blanchir le fric de l'eau. Et une autre pour récolter ce qui vient de la ville. Ouais, c'est le comptable. Ça le fera réagir, et j'aurai mon... J'aime trop, c'est un de mes trucs préférés, c'est qu'on doit tuer le comptable. Lui et loup au passage. Et le loup, là. J'aime trop. Vraiment, les trucs qu'on doit tuer les boss, c'est... Tony a peut-être l'air d'un sale con, mais il essaiera de te couper les couilles dès qu'il en aura l'occasion. Sérieux ? Hey, je suis abonné, hein ? Quel con. Ouh, la musique qui va me niquer mes droits d'auteur. La monétisation, on peut dire au revoir. Quoi? Parler à Lenny Davis. Lieutenant Tony DeRazio. Sous la direction de Tony DeRazio, le centre-ville tourne comme une horloge. C'est le genre de lieutenant qui parvient à garder son calme face à oncle Lou Marcano, sa tête brûlée de capot. Oncle Lou compte sur Tony pour gérer les aspects financiers de ses opérations. Faire tomber Tony permettra d'exploser les faiblesses de Lou. Parfait. Ok, alors on va se faire Tony. Il est possible que je vous coupe le son hein, quand il y a des trucs, des musiques comme ça, parce que ça nique totalement ma... Ça, je peux avoir le risque d'être de carrément bloquer ma vidéo. Donc il est fort possible que je vous coupe le son quand il y a des sons comme ça qui sont obligés. Là j'arrive pas à enlever le son, tu vois. Qu'est-ce que je fais ici? Ah, je dois aller dans le bar à l'intérieur. Pour le prochain épisode, j'essaierai de changer de vêtements parce que c'est vrai que garder tout le temps les mêmes vêtements qu'on peut changer, c'est un peu con. Des nouveaux projets en développement. J'ai merdé. J'ai trompé ma femme. Et ce type-là, Jimmy Cavar, il a tout filmé. J'ai découvert que la fille bossait aussi pour Cavar. Miskin. Non, il te tient. Il m'oblige à tamponner des projets immobiliers bizarres et à encaisser des chèques pour sa société, Cavar Construction. T'as sûrement aperçu une de ses pancartes sur le site de construction de l'hôtel de ville. Le truc. C'est que Cavar se déplace qu'en cas de gros problèmes. T'en fais pas. J'ai un certain don pour causer des problèmes aux gens. Certains de ces gars traînent dans le centre-ville. Écoute, je suis pas un mauvais gars. J'ai fait une erreur, c'est tout. Fais profil bas, Lenny. Je vais voir les hommes de Cavar. T'as juste fait une erreur, hein. Comme tout le monde, hein. Les gars de Cavar en sauront plus que moi sur ces projets. Très bien, parfait. Nouvel objectif débloqué. Donc là, il y a des trucs qui se débloquent, les gars. Il y a des trucs qui se débloquent, là. Ça se débloque. Tipi pète un plomb. Bon, on va continuer ici, hein. Interroger les contre-maîtres de Cavar. C'est parti. Allons interroger ces enfoirés. Très bien. On continue avec la même voiture. J'ai pas très envie de... Ah, c'est juste ici, hein. Ils sont vraiment juste là, donc c'est vraiment en face, mon gars. C'est parfait. C'est perfecto. Optimisation du temps. 1000%. Hein. Allez, on va essayer de pas faire les cons. Là, il y a déjà un mec. Est-ce que j'y vais à la bourrin? Parce que j'ai peur que le mec, il s'enfuit. Parce que les mecs que tu peux interroger, ils peuvent s'enfuir. Hein. Comme ça, vous savez. Et s'il s'enfuit, les gars, c'est la merde. Putain, lui, il va me faire chier. Comment on faisait pour siffler encore? Ah ouais, c'est comme ça. Viens, petite sale. Montre-toi. Dès qu'il apparaît, égorgement fatal. Allez, hop.
Tu dégages d'ici. Il y en a un là en haut apparemment qui peut peut-être me cramer. Faire attention, faut faire attention. Est-ce que si je siffle... Allez, viens par ici, viens par ici. J'espère qu'ils viennent pas à deux, hein, sinon je suis dans la merde. Allez, dégage. Putain, heureusement, il fait ça propre. Hein. Il fait ça vraiment propre. Donc le mec que je dois interroger, il est par là. Là-bas, il y a un ennemi. J'ai peur de siffler, d'attirer l'attention de tout le monde en vrai. T'as pas le droit d'être là. Je crois deviner où il allait. Pouah. Ok, là je peux l'interroger. Parfait. Ok, j'ai niqué tout le monde au final. De la marchandise et il y a un paquet de fric qui attend juste qu'on vienne taper dedans. Mes quatre combattants. Allez, je le recrute. Ça nous rapporte de l'argent, je pense, si je recrute des gens, tu vois. Ok, donc là, je peux péter des trucs pour aider dans les dégâts. Parce qu'il faut qu'on arrive à 50 000 de dégâts, tu vois, pour que le mec apparaisse, pour que le vrai boss apparaisse, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a le camion à détruire, c'est vrai. Ouh, là, il y a de l'argent. Parfait. Il n'y a pas le réservoir qui est vraiment... Ah si, bien sûr, bien sûr. Parfait. Ouh là, je me tue tout seul, mec. Il n'y a rien d'autre à détruire ici? Ok, bon. On est parti sur le prochain truc. Je pense que le prochain objectif, c'est déjà mis tout seul. Détruisez le véhicule du chantier de Kavar. C'est ça, non? Qui était marqué... Putain de merde. Bref, on va descendre par ici. On va cacher l'arme. On va se faire baiser. Pourquoi quand je mets... Des fois, vous voyez, des fois, il n'y a pas le marqueur. Hein. Par exemple, là, j'ai mis quelque chose, mais ils me mettent pas là où je dois aller, tu vois. Si je mets ça... Toujours pas. Putain, c'est chiant. C'est très très chiant, ça. Ok, donc là, je sais voir aussi les trucs. Hein. Construction, reverser la grue du chantier de Kavar. Et pourquoi quand j'ai mis un truc... Ok, non, en vrai, je vais faire comme ça. Hein. Voilà, c'est plus cool, je pense, comme ça. Là au moins ils mettent le truc parce que là je mettais ouais faire ci mais ils me disaient pas c'était où. Donc on va se la faire comme ça. Putain j'ai oublié d'éteindre la radio. Quelle bavure les gars. Quelle bavure. C'est pas grave. Je pense pas que je vais me faire baiser pour ça. Enfin si. Parce que je me suis déjà fait baiser pour moins que ça. Donc putain ici je dois tuer des hommes demain. Hein. Ici c'est compliqué. Hein. Je me suis jeté vraiment dans les endroits les plus chauds. Et je rentre par où ici en fait? Je l'ai eu? Ouais, parfait. Ok, donc le mec que je dois tuer, il est quelque part ici. Hein. On va déjà voler l'argent de la caisse, ce serait bien.
Oh les gars, ça me fait trop peur. Je vous promets, je suis toujours en stress quand je rentre dans des trucs comme ça. Pouah. Je vois déjà qu'il y a un magazine Playboy. Je vois déjà qu'il y a un truc inflammable ici. Le mec que je dois tuer, il est là. Ok. C'est quoi, mec? On va y aller à la YOLO. Non! Il va me tuer! Putain! Je l'ai eu et il m'a tué! Est-ce que la mission est comptée comme réussie? Parce que je l'ai tué. En soi, je l'ai tué avant de mourir, tu vois. Oh putain! Ça, c'est la merde, hein. Putain, ils sont venus à 4 sur moi. Non, d'habitude, ils font pas ça, les gars. D'habitude, ils viennent pas à 4 sur ta gueule comme ça. Putain, ils sont venus. Ils étaient 3-4. Je savais pas sur qui viser. J'ai essayé de faire rapide, mais impossible. Heureusement, l'autre, je l'ai tué dans la tête. Mais je sais pas si ça va compter comme réussi. Ah, j'espère, hein. J'espère que ça compte comme réussi. Putain, les chargements dans le jeu aussi sont quand même assez longs. C'est quand même assez oufissime. J'ai même le temps de répondre à des messages, j'ai le temps de tout faire, hein. Calmement. Allez, Coco! Plus rapide que ça! Putain, les gars, j'ai tellement de jeux à tourner, c'est un truc de ouf, hein. On va essayer de vraiment rattraper le bordel. Putain, je perds chaque fois la moitié de ce que j'ai quand je meurs, c'est... Ah, c'est validé, c'est validé. C'est validé. Mais par contre, les dégâts, je suis dans la merde parce que... Au niveau des dégâts, je suis baisé parce que... j'ai pas... Parce que j'ai juste tué le mec et je suis mort. Donc j'ai pas pu détruire les trucs qu'il y avait sur place et tout, tu vois. Et ça, ça craint un peu. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, la mission est faite. On va continuer... Hop, la radio qui est éteinte. Donc là, on va sur un chantier. Je pense que ça, ça va nous ramener beaucoup de dégâts si on renverse la grue. Ça va nous ramener pas mal de dégâts. Et on sera, je pense, presque bon. Si on renverse une grue, on n'atteint pas ce qu'il faut atteindre. Alors là, je ne comprends plus rien. Le dérapage, sa mère. Ok, donc là, c'était où on était tantôt. Mais je ne dois pas aller là, en fait. Ça, je dois venir tout droit. Ok, c'est pas loin. Heureusement, les trucs sont pas loin les uns des autres. On peut se les faire tranquillement. Je vois déjà qu'il y a un gilet pare-balles quelque part. C'est que ça va chauffer. Ok, donc je transgresse directement comme un con. Ta gueule. Viens ici, viens, viens ici, viens, fils de pute, viens, fils de pute. Putain, si je le tue devant un flic, je suis baisé aussi. Hein. Oh non, non, mec, non, arrête, arrête. Hein. Pas chier. Il voulait me baiser, le mec. Ah, il voulait me baiser, agro, agro. Ah, il voulait me baiser, agro. Non, pas ça, Zinedine, il m'a surpris. Ouais, là, j'ai pas le choix, les gars. Nègre armé, sale enflure. Comment tu m'insultes comme... Putain, il y a les flics. Putain, on mêle les flics à tout ça. Là c'est la merde. Il faut que j'aille dans le bourbier. Comme ça les flics se mêlent aussi. Et tout le monde se mêle et c'est le bordel. Ce qui va se passer en fait, c'est que je vais crever. Hein. C'est tout ce qui va se passer. Ah putain, guetteur en plus, je suis baisé les gars. Là j'ai vraiment déconné. Hein. Là pour avoir déconné, j'ai déconné. Hein.
Ah non, là je suis sans issue. J'ai plus d'issue les gars. Je survis. J'ai plus de balles, putain, j'ai 8 balles. Ah non, je me rends. Je dois faire quoi ici en vrai? Ah non, je devais me laisser crever les gars. C'était impossible. Putain, ça va être très RTK ici hein. Ça va être très très choquant, est-ce que je vais faire? Ok les gars, je vous reprends ici. Enfin, je vous reprends en train de mourir. C'est super, c'est génial. Putain, c'est trop chaud. Ok, putain, si je parle pas les gars, c'est que je suis très concentré. C'est vraiment un truc de fou. J'ai réussi à pas avertir les flics. Vas-y, mets le détonateur, mon gars, qu'on se barre d'ici. J'espère que c'est juste ça qu'il faut faire. Hein. Dégagez maintenant. Ok, putain, il faut que je me barre. Est-ce que ça risque d'exploser tant que je suis là? Ah non, je dois sortir du truc, du ok. C'est moi qui dois déclencher la bombe, en fait. Ok, c'est bon, putain, en vrai, c'était pas si compliqué que ça, mais... Mais il fallait le faire, quoi. Ok, parfait, mon PC a plus de batterie, mais ça va le faire, je pense. Ok, parfait, allez, on a encore le temps de faire une mission, je pense. On a combien de dégâts là? Ça c'est quoi en fait? Centre-ville, ça c'est autre chose, ok. Est-ce que je peux venir ici? On active ça. Il reste 12 000 de dégâts à faire. Je pense qu'avec cette mission qu'on va faire maintenant, ça sera bon, je pense. Hein. Ok, c'est parti, on prend la même voiture. Hop, on va pas se casser les couilles à voler la réserve d'argent de Kavar. Putain, j'ai plus de pneus, sérieux? Putain, allez quoi. Il manquait plus que ça. Ok, bon, on n'est pas très loin du truc, donc on va pas faire trop les fines bouches. Putain, pour conduire la voiture quand elle a des roues pétées, mon gars, c'est impossible. Ok, donc là, on est déjà arrivé au truc. C'est quoi ce bordel? Ah ouais, il faut rentrer par là en vrai. Ok. Intrusion. Voilà, je savais. S'il n'y a pas un truc à faire. Ok, il y avait juste un truc à choper. Attendez, hein, 2 secondes. Parce que mon PC me dit plus de batterie, plus de batterie, plus de batterie. J'espère que ça va le faire, hein. Du coup, vous croyez que je sais me les faire en mode discretos. Ce serait bien. Ce serait bien pour une fois de ne pas. Ok, toi ferme là. Parce que là, il y a un mec. Putain, ils sont en train de tabasser un mec, sérieux? Ok, lui je peux me le faire. Ah
Aïe. Aïe. Je suis trop chaud, les gars. Putain. Le stress, sa mère la pute. J'ai tué même le mec qu'ils étaient en train de tabasser. Ah non, lui il est mort. Lui il est dead. Hein. Ok. Pouh. Il reste plus que 2000 de dégâts, les gars. Y'a pas d'autre truc à péter ici. Rien du tout. Allez, barrons-nous. Putain, j'étais rentré par où, moi? Wesh. Ah, c'était par là. On va ranger l'arme, bien sûr. Ok. Combien de pourcents? Je pense qu'on va bientôt terminer l'épisode, hein, les gars. Oh non, j'ai pas pris cette voiture de nouveau. Putain, Lucas. Prenons cette là, on casse la vitre. Allez, toi t'es une pute. Je vais l'écraser, cette salope. Allez, nique ta grand-mère. Putain, là j'ai eu 3 témoins. C'est pas grave. Donc ici, il reste 2825 de dégâts. Donc il n'y a plus vraiment grand-chose à faire. On peut venir ici. Hein. Merde, j'ai le mauvais chemin. Allez, faut qu'on se barre de ce cercle. Merde, les flics m'ont vu. Comment on fait pour enlever les flics? C'est ça, non? Indisponible, nique ta grand-mère. Vas-y, mec. Avec des flics partout, mais non, comme par hasard. Ok. Ouais, de toute façon, je pense qu'on va arrêter l'épisode là parce que mon PC va vraiment s'éteindre. Allez mec. Ah non, je suis mort. Bon les gars, on va arrêter cet épisode ici. Prochain épisode, bon, on aura fini tout ce truc là parce qu'on aura fait les dégâts qu'il faut. En tout cas les gars, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire, allez voir mes autres vidéos. J'espère que la reprise de Mafia 3 vous fait plaisir, à moi en tout cas. Ouais, c'est le cas certain. Ciao.